my group, we actually use a lot of ESXi servers. You would think that after using these things for 10 years, I would know how to speak, but I do not. We use these for virtualizing d'opérateurs, j'utilisais des serveurs ESXi pour gérer la virtualisation. Et pas mal de personnes utilisent des processus qu'il faut vraiment réussir à isoler pour ne pas qu'ils s'étendent entre l'hyperviseur et l'environnement virtuel. And he's from Triton Security Labs, and he's going to show us. Donc notre présentateur pour cette session va nous montrer les exploits qu'il a découvert au dernier capture de flag en Chine. Welcome F1 YYY onto the stage. J'aimerais que vous accueilliez F1 YYY sur cette scène avec moi. Hello. 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 Thanks for the instruction. Bonjour. Merci pour l'introduction. Bonsoir à tous. A senior security researcher. Je suis F1YYY. I'm going to present the great escape of ESXi, breaking out of a sandbox virtual Georgia Tech. Je vais vous montrer comment on peut sortir d'une machine virtuelle sandbox sur un serveur ESXi. Je vais vous partager mon expérience et le travail qu'on a fait avec CentOS sur ESXi. We come from the Trenton Security Research Lab. On vient de Chaitinko, du centre de recherche Chaitinko à Pékin. On a fait pas mal de recherches sur l'IoT, les attaques, la recherche d'attaques IoT, Android, PS4. On a une présence à la DEF CON, on a plusieurs équipes qui ont gagné à la DEF CON et à la HITCON. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à participer à nos catch the flag, à nos CTF. Donc, avant de commencer notre aventure pour nous échapper d'une machine virtuelle, on va voir ce que veut dire s'échapper d'une machine virtuelle. Donc, je vais demander, est-ce que certains d'entre vous utilisent un logiciel de virtualisation comme VMware Workstation ou Hyper-V, VirtualBox, etc. Okay. Levez vos mains. Ok, merci. On en a beaucoup dans la salle. Donc, si vous êtes un ingénieur logiciel ou dans la sécurité, vous avez probablement utilisé des logiciels de virtualisation. Mais si quelqu'un entend parler de s'échapper de machine virtuelle, qui a entendu ça? Levez vos mains. Oh, je suis surpris, c'est vraiment beaucoup de gens. Ça me montre que beaucoup de gens sont au courant du sujet. Mais j'avais besoin d'introduire ça quand même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Virtual Machine Escape? La plupart du temps, le serveur, le système d'exploitation qui host OS emulates virtual hardware et sur l'hyperviseur va émuler le hardware et présenter des ressources à notre guest, à notre OS guest. Et l'OS, le système d'exploitation guest est isolé complètement du host. Mais si on a des bugs au niveau du host, de l'hyperviseur, c'est possible pour le guest de sortir de l'environnement virtualisé et d'exploiter les vulnérabilités.
et finalement exécuter du code directement sur le host, sur l'hyperviseur. Donc c'est ce qu'on appelle le Virtual Machine Escape sur lequel j'ai travaillé. Donc pourquoi est-ce qu'on a utilisé ESXi comme notre cible ? D'abord, c'est parce que c'est l'hyperviseur que la plupart des entreprises utilisent pour créer leur cloud privé, donc pour mettre leurs données privées internes, incluant toutes ces sociétés, dont les logos sont listés ici. Et vSphere, c'est un produit VMware, donc c'est très répandu et très connu. Et ESXi, c'est l'OS hyperviseur pour VMware vSphere. Donc, pourquoi on l'utilise dans le cloud privé ? C'est voilà, la première raison pour laquelle je me suis penché là-dessus. Et la deuxième raison, c'est qu'on utilise ça pour... on a eu beaucoup de vulnérabilités qui ont été démontrées dans VMware Workstation et comment sortir d'une machine virtuelle dans Workstation en utilisant les cartes graphiques, les ports Ethernet, etc. Mais on n'a eu aucun escape démontré public sur ESXi. Et du coup, c'était un challenge pour nous et on aime le challenge. Why is ESXi so challenging? Alors pourquoi ESXi c'est si utile? There are little documents about its architecture. Parce que je pense qu'il y a assez peu de documents sur l'architecture. The only thing we have found is a white paper. Alors la seule chose qu'on a trouvé c'est un white paper proposé par VMware. The white paper only includes some definitions and pictures. Il a seulement quelques définitions, quelques images, pas de détails. Let's take a brief look at the architecture of ESXi first. D'abord on va regarder l'architecture. ESXi is an enterprise bare metal hypervisor, and it includes two parts. Hyperviseur bare metal de classe entreprise. Kernel developed by VMware. And the user world. Deux parties, un noyau développé par VMware. The other part, the user world. Et l'autre partie, le monde utilisateur. VM kernel, le noyau, c'est un système d'exploitation de type POSIX avec un file system en mémoire. All fields stored in this file system. Are not persistent. Et les données qu'on stocke dans ce système ne sont pas persistantes. Et il gère aussi du matériel et le scheduling des ressources. Alors il inclut aussi des drivers de VMM, des piles d'entrée-sortie, des API. Et le user space, lui, tiens ce qu'il faut pour que faire tourner les process sur l'OS VM kernel. Ces process ont le droit d'utiliser seulement une partie limitée du POC et des signaux. Ils ont accès à une partie de l'API POSIX. Ils ont des process utilisateurs du type HostD, SSHD, etc. That's the architecture of ESXi. Ça, c'est l'architecture like de ESXi. Alors, je voudrais donner un exemple pour montrer comment ça fonctionne en the pratique. VMS process in the user le processus VMX côté utilisateur parle avec VMM en utilisant des syscalls custom, pas vraiment documentés. Et VMM va lancer l'environnement depuis l'OS virtualisé. Et donc il a des instructions sensibles pour donc le process VMM, il émule aussi le matériel virtuel. C'est comme ça qu'une machine virtuelle marche dans ESXi. Alors, comment on fait pour s'échapper de la machine virtuelle ? S'il y a une vulnérabilité dans le matériel virtuel de VMX, on peut écrire un driver ou un exploit pour s'en échapper. Le driver va parler au matériel virtuel et exploiter la vulnérabilité.
par exemple, exécuter du shellcode dans le processus VMX. Et ça qu'on arrive à sortir de la machine virtuelle. Alors la deuxième raison pour laquelle l'ESXi est si difficile, c'est l'API User World. Alors VMX utilise plein de... appelle système non documenté customisé. Et réussir à écrire du code pour VMX, c'est difficile parce qu'on ne sait pas quel message j'utilise. Alors, par chance, on a réussi à trouver deux tables de syscall après avoir décompressé le DOM. Donc on a trouvé par exemple ces deux symboles qui vont être utiles si on veut reverse engineer un peu de code de VMX. Et il y a aussi des protections de sécurité, donc par exemple l'SLR et du NX. Donc on est obligé de faire fuir un peu de d'adresse mémoire pour réussir à casser la randomisation de l'espace d'adressage. Et enfin, il y a encore une autre protection qui est une sandbox qui isole le processus VMX. Donc si par exemple on exécute du shell dans le process VMX, en fait on ne peut pas exécuter de commandes, on ne peut pas lire des champs sensibles, à moins qu'on ait réussi à aussi sortir de la sandbox. Et alors on pense du coup que le VMX dans ESXi a une surface d'attaque beaucoup plus faible. Donc par exemple, si on compare Workstation et ESXi, en fait, on peut voir que pas mal de fonctionnalités ont été enlevées de VMX et mises dans le VM kernel. Par exemple, la partie transmission de paquets de réseau qui a été déplacée de VMX dans le noyau. You can notice that there are many vulnerabilities existing in the packet transmission part of EY. On peut voir qu'il y a pas mal de vulnérabilités dans la partie transmission de paquets de cette carte virtuelle. Et ces vulnérabilités affectent uniquement le produit Workstation. Donc le VMX dans ESXi a une plus petite surface d'attaque. Maintenant, regardons comment on peut s'échapper de ESXi. Donc, on va utiliser deux vulnérabilités VMX dans notre exploit. La première, c'est un stack, une vulnérabilité de stack non utilisé. Et le deuxième est pour les stacks non utilisés en lecture. Donc on a les codes des vulnérabilités. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut faire du arbitrary address free avec le premier et on peut avoir un leak d'information avec le second. Donc en combinant les deux, on peut faire de l'exécution de shellcode arbitraire dans le process VMX. Et finalement, on utilise une vulnérabilité logique pour s'échapper du bac à sable, du sandbox de VMX et entrer à l'hyperviseur ESXi. Donc, regardons la première vulnérabilité. Donc, c'est l'utilisation de stack non initialisé. Donc, on a ici, avec l'utilisation de filtres MAC, d'adresse MAC, on peut voir le mapping de la mémoire entre le guest et le host. Donc, c'est aussi utilisé pour transporter des données entre le guest OS et le host. Donc, on a l'initialisation du stack qui va utiliser un
code pour exécuter la commande et on a, ici, on dirait qu'on n'a pas de problème sur l'exécution en mémoire, mais si on regarde la fonction, on voit que si on essaye d'exécuter ce code, on a un check qui se fait avant l'initialisation sur la pagination de la mémoire physique. Si le check passe, l'initialisation va se faire, mais si le check ne échoue, il n'y aura jamais d'initialisation pour ce stack. Donc on a vu qu'on pouvait contrôler l'argument d'adresse en prenant un des registres de VMX. Donc ce qu'on voit dans cette fonction de release de mémoire physique, c'est que la fonction de retour nous montre uniquement l'initialisation. Donc si on peut to do arbitrary address free, we can pad a fake physics memory page structure on the stack, and then make the check fields in the function DMA memory free. On peut écrire un champ arbitraire dans la structure de page et le faire libérer un pointeur physics memory page structure de notre structure de page physique. We just tried to find a function. Donc, il faut qu'on trouve une fonction pour écrire de la donnée sur la pile. Alors, quelque part, c'est un motif de développement standard. Donc, on écrit sur la pile quand la variable est petite, et sinon, on passe sur le tas. Et donc, on a trouvé une fonction qui a ce pattern. Donc cette fonction est utilisée quand l'OS virtualisé essaye de gérer la structure TSB. Et donc il va utiliser, si c'est petit, la pile pour stocker la donnée et copier la donnée issue du système enfant sur la pile. Donc, alors comment on combine tout ça pour faire un free d'une adresse arbitraire? Donc pour ça, on va dans l'OS guest, on utilise l'instruction outsb pour réussir à corrompre la pile de VMX. Et donc pour ça, on va construire une structure de page physique. Et donc, on lui met un nombre de pages de 0 et l'adresse qui est la fameuse adresse qu'on veut libérer. Et ensuite, on utilise le réglage VMXNet3 qui était utilisé dans la fonction qui crée la page. Et ensuite, on émet une commande VMXNet3 pour mettre à jour les filtres MAC. Et c'est à ce moment-là que dans VMX, il va appeler la fonction feedMemRelease pour détruire la structure de page qu'on a remplie juste avant. Donc il va vérifier que pageCount est égal à 0, et dans ce cas-là, il fait un free sur le champ pageArray, qui est dans notre fausse structure. Et donc avec ça, on peut faire un free arbitraire en utilisant la pile utilisée. Alors, l'autre vulnérabilité, c'est aussi dans la partie de carte réseau de VMX. Et donc, c'est une fonction qui permet de coalescer deux commandes. Donc pour ça, il va lire une longueur du guest qui doit être 16. Et ensuite, il va initialiser les 8 premiers octets d'une structure sur la pile. Mais on voit qu'il a oublié d'initialiser l'autre champ de la structure.
et ensuite c'est réécrit dans la structure de l'OS guest. Et donc grâce à ça, on arrive à extraire 8 octets non initialisés du process VMX. Et si on debug le process VMX, on voit qu'il y a des offsets fixes dans l'image. Et donc grâce à ça, on peut obtenir toutes les informations sur l'espace d'adressage par cette vulnérabilité. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant ? D'un côté, on peut faire un free sur une adresse arbitraire grâce au premier exploit, et grâce au deuxième, on a toute l'information sur l'espace d'adressage avec le deuxième exploit. Donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc on veut exécuter du shellcode arbitraire dans le process VMX. Comment on combine ces deux vulnérabilités pour réussir à atteindre notre cible ? Alors en fait, ce qui est pas facile, c'est d'exécuter le shellcode arbitraire, mais ce qu'on peut facilement faire, c'est écrire à une adresse arbitraire. Donc d'abord, comment on va réussir à écrire dans une adresse arbitraire en utilisant un free d'une adresse arbitraire ? Donc pour ça, il nous faut une structure qui contient des pointeurs où on peut écrire et une taille. Et comme ça, on pourra écraser cette structure et avec ça, on pourra facilement écrire des adresses arbitraires. Donc, pour essayer d'exploiter cette vulnérabilité, il faut trouver une structure qui est dans le tas. Mais en fait, on ne peut pas vraiment manipuler de manière stable la structure du tas. Parce que l'OS va assez souvent allouer et libérer de la mémoire, donc on ne peut pas vraiment travailler sur les structures du tas. Donc après, en reversant un peu de code dans VMX, on a trouvé une autre structure. Donc c'est un channel RPCI. Alors, donc, qu'est-ce que VMware RPCI ? Donc, c'est un process qui permet de communiquer entre les guests et le host. C'est un mécanisme RPC. Et le deuxième terme avec lequel vous êtes peut-être familier, c'est VMware Tools. C'est un outil que vous installez dans le guest OS. Qui a déjà installé ça dans son guest OS ? Pas autant que tout à l'heure. Donc, si vous utilisez VMware Workstation, vous avez probablement installé VMware Tools dans votre guest, parce qu'une fois que vous l'installez, vous pouvez utiliser des fonctionnalités qui sont très convaincantes, comme faire un copy-paste entre votre host et votre guest, ou faire un drag and drop entre votre guest et votre host, etc. VMware Tools implémente quelques commandes RPCI. Ici, on a quelques exemples. On peut utiliser InfoSet pour renseigner des informations sur notre guest. On peut faire InfoGet pour récupérer les informations. Donc, qu'est-ce qui se passe si on exécute ces commandes RPCI de notre guest? Par exemple, si on exécute ces commandes RPCI à l'intérieur de notre guest, en utilisant, on fait un set guest info, 1, 2, 3. Donc notre guest OS retourne la commande à notre exécuteur RPCI qui est au niveau du VMX. Et le handler va vérifier la source de l'exécution et ouvrir un canal et initialiser le call. Ensuite, on va avoir un
heap memory to store the data of our pour allouer de la mémoire sur le tas pour stocker les données de la commande. Et ensuite, il va utiliser une autre sous-commande qui s'appelle le senddata pour remplir les données de la mémoire qui vient d'allouer. And once the lines of the data we send from the guest. Et donc, les données qu'on a envoyées du guest, à la taille, va être utilisée dans la commande sendlen, qui est dans leur RPCI. Et donc, enfin, il va utiliser la sous-commande close pour détruire la structure channel, y compris la taille et le pointeur de données. That's what happens when we donc, execute this RPCI voilà, command c'est ce qui se passe quand on lance cette commande RPCI depuis le guest. Et en plus, il y a aussi une structure de channel dans le segment de données qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est vraiment la structure parfaite pour notre exploit. We've got all the things we want. We've got donc, maintenant qu'on a tout ça, on a tout ce qu'il faut. Pour, on a la structure qu'il faut pour les combiner. Alors, on remarque aussi que VMX utilise ptmalloc dans de la GIPC pour gérer son tas. Donc, on choisit du coup d'utiliser l'attaque fastbin. Alors, qu'est-ce que c'est l'attaque fastbin? Alors, c'est une méthode pour exploiter les vulnérabilités de tas dans ptmalloc en utilisant la liste simplement chaînée. Et donc, cette méthode d'exploiter ptmalloc, c'est la première méthode que j'ai appris quand j'ai appris à faire des exploits. Alors, maintenant, quand on regarde le check qui est fait dans le glibc, on a décidé de faire un free de l'adresse qui est reply index, parce que, en fait, la glibc va traiter ça comme un faux chunk de mémoire. Donc d'abord, il vérifie la taille courante du bloc de mémoire. Et on va choisir la taille du faux bloc mémoire pour être la taille de la structure channel. Et grâce à ça, on va pouvoir chanter le check qui est fait dans VMX. Donc, une fois qu'il y a le free qui est fait, le faux chunk va être mis dans la liste chaînée fastbin. Et donc, on va réallouer le faux chunk avec la structure donc le channel crochet n plus 2. Et grâce à ça, on pourra facilement écraser channel n plus 1 en mettant des données dans channel n plus 2. Et grâce à ça, on va réussir à écraser des parties du channel n plus 1. Donc c'est assez facile de faire des écritures à des adresses arbitraires en construisant une fausse structure channel. Donc maintenant, on se rappelle de notre cible. Notre cible, c'est de faire de l'exécution de shellcode arbitraire dans VMX. Et pour l'instant, on en est à l'écriture à une adresse arbitraire. Alors, il y a plein de façons d'exécuter du code shell arbitraire en faisant des écritures à des adresses arbitraires. On peut faire du ROP, par exemple. Donc, par exemple, on va écraser le segment god.plt. Donc, par exemple, si on écrase le pointeur de données du channel n plus 1 avec l'adresse du segment godplt, donc, on met un pointeur de fonction dans le godplt. Donc, quand VMX utilise cette fonction qu'on écrase, il va sauter sur notre gadget ROP. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir assez facilement faire de l'exécution de shell arbitraire en utilisant le ROP.
VMS process. Et donc, ça, on pourrait faire de l'exécution de code Ultra dans VMX. Virtual machine of the on the USSR successfully, we tried to execute execute some et command. Donc là, le process VMX va essayer d'exécuter une commande, mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc on a essayé de lire des champs sensibles comme ETC password et ça n'a encore pas marché. Et c'est là qu'on a réalisé qu'en fait, il y avait une sandbox. Et donc on ne peut pas exécuter toutes les commandes qu'on veut si on n'a pas aussi sorti de la sandbox. Donc, la prochaine partie, j'aimerais vous montrer comment on analyse et comment on s'échappe de la sandbox. Donc, après avoir réalisé qu'on avait une sandbox dans ESXi, on a regardé le code au niveau du VM kernel et on a trouvé un module qui s'appelle Access Control Subsystem. Et ce module implémente les checks pour les syscalls. Et c'est une sandbox qui est basée sur des règles. Donc, on a cherché la configuration, les fichiers de configuration, et ils sont dans ETC, VMware, Sec Policy, Domains. Et on a plusieurs domaines, plusieurs des règles qui sont dans différents domaines de notre sandbox. Une des règles qu'on a pu lire, on a pu en déduire que le dossier var run est le seul dossier sur lequel on a des autorisations en lecture et en écriture. Donc, on a plein de fichiers de configuration et des PID. Et le seul fichier de configuration qu'on peut écrire et lire, c'est le fichier inetd.conf. Qu'est-ce qu'inetd? C'est open source et c'est un super serveur de domaine qui donne accès à des services Internet. Donc on a regardé ce fichier inetd.conf sur un serveur ESXi. Et donc, on voit qu'on a les services, les autorisations de services SSH et OD pour l'authentification. Et on voit pour la partie authentification, on a réalisé que les services sont toujours enablés, sont toujours activés, même si les services SSH sont désactivés. Donc, qu'est-ce qui se passe si on remplace la partie de configuration pour l'authentification? De cette manière, on pourrait rediriger l'authentification pour autoriser... On pourrait bypasser les règles et pouvoir lancer des processus. On a donc analysé les system calls et donc on a fait un kill sur le système inetd, le process inetd. Et une fois que le process inetd a redémarré, on peut exécuter n'importe quelle commande dans le pod que inetd contrôle. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à sortir de notre sandbox. Et maintenant, je vais vous montrer une démo. Oh, it seems that I cannot play this volume. Bon,
C'est vrai que je peux pas jouer la vidéo, mais bon, vous pouvez la trouver sur YouTube et créer cette démo après le DevCon. Et donc ça, c'était après avoir réussi à lancer l'exploit sur notre OS guest. Bon, bah voilà, c'est tout. Si vous voulez plus de détails sur notre exploit, sur notre chaîne d'exploit, vous pouvez trouver notre papier là. Et voilà, merci. So I don't think I'm actually worthy to share the stage with F1 YYY. That was awesome. If you have questions, alors si vous avez des questions, on a des micros, vous venez au micro, vous faites la queue derrière et on prendra vos questions. En attendant, il y a un signal Angel. Est-ce qu'il y a des questions? On n'aura pas de questions de l'audience. Si, micro numéro 6. Do you talk to alors, est-ce que vous avez parlé à VMware pour ce petit hack? On a reporté la vulnérabilité à VMware après en 2018 et ils ont mis un an à fixer une des deux vulnérabilités. That's definitely a relief. Bon, c'est un soulagement. Micro 1. Alors, merci pour la belle présentation. Alors, je voudrais juste savoir s'il y avait des choses importantes qu'un admin système peut faire pour verrouiller la sandbox un petit peu plus, pour faire des mesures préventives sur les systèmes USXI, ou alors est-ce qu'il n'y a rien à faire Est-ce que vous pouvez répéter la question? C'était un peu trop rapide pour moi. Est-ce que on peut faire quelque chose en tant qu'administrateur pour renforcer encore plus la sécurité autour de l'environnement de sandbox? Donc, oui, on peut désactiver l'environnement de sandbox en ligne de commande sur les serveurs ESXi. Je ne vous ai pas mis la commande dans cette présentation, mais j'ai trouvé la commande dans la documentation. On peut la trouver en recherchant la documentation ESXi. Je l'ai trouvé moi-même en utilisant une commande en ligne de commande ESXi. C'est pas documenté par VMware, je l'ai trouvé moi-même. Je vais partager cette commande sur mon Twitter plus tard, désolé. J'ai oublié de la mettre dans la présentation. Mais est-ce que ça aurait pu prévenir de cette attaque? En faisant ce changement avec cette commande, est-ce que ça pourrait prévenir de l'attaque que tu viens de montrer? Le sandbox est là pour protéger les process VMX. Donc, si tu mets à jour ton ESXi, ça va protéger, oui. We have a question from the internet. Yes. On a une question d'Internet. Alors, cet exploit, est-ce qu'il marche sur des VM qui n'ont pas BDX en utilisant la traduction de binaire? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus universel que juste... Est-ce que vous pouvez répéter la question parce que j'ai juste... Alors, est-ce que ça marche aussi sur les choses non AMD ou machines VDX qui font de la traduction de binaires? Alors oui, parce que toutes ces vulnérabilités existent dans le hardware virtuel. Donc, il suffit d'utiliser de la virtualisation. On utilise tous de la virtualisation de hardware dans les machines virtuelles. Donc oui. D'autres questions d'Internet?
Non, c'est tout. Merci. Est-ce que tout le monde peut m'aider et remercier F1YYY pour cette superbe session ?